Bonjour, je suis Laurence Loubière, religieuse Xavière en mission à Toronto depuis 2007. Quand je pense à la spiritualité ignatienne, trois points me viennent à l'esprit. Tout d'abord, c'est l'expérience d'une grande liberté dans la prière. Je me souviens d'un temps de prière que m'avait proposé un jésuite à partir d'une contemplation d'une scène de l'évangile. Il m'avait proposé toute une méthode avec une prière préparatoire, une demande de grâce, des points, une prière à la fin, un colloque. Et je me suis rendu compte que cette méthode était vraiment au service de l'écoute de la grande liberté de l'esprit qui, pendant le temps de prière, me faisait voir ce que le Seigneur avait vraiment envie de me faire voir à ce moment-là. Et donc toute cette démarche était vraiment au service de l'écoute de l'esprit pour que je puisse davantage m'ouvrir à ce que Dieu voulait vraiment me montrer. Deuxième chose très marquante pour moi, c'est la relecture. La relecture qui est vraiment cet outil qui me permet de revoir, de discerner dans les événements, qu'ils soient heureux ou douloureux, dans les choses faciles ou au contraire plus difficiles, comment Dieu m'invite à le suivre. Quel petit pas de plus je peux faire pour incarner toujours davantage mon désir de Dieu dans ce domaine, que ce soit des relations, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit toutes sortes de dimensions de mon existence. C'est cette invitation à toujours essayer de comprendre ce que Dieu me dit à travers ce que je ressens dans ces événements. Et comment le suivre davantage en vérité, comment incarner toujours davantage mon désir de Dieu dans des choses concrètes, des choix concrets que je peux faire dans ma vie. Et troisième dimension pour moi de la spiritualité ignatienne, qui est un vrai cadeau, c'est le fait qu'on puisse vivre toutes ces dimensions aussi à l'échelle d'un groupe, d'une communauté, d'une organisation. J'ai la chance au Canada que ce soit ma mission d'accompagner des groupes dans des démarches de discernement en commun et donc d'aider les groupes et les communautés à aligner leurs énergies, leurs moyens, leur vision sur le travail de l'esprit qui est déjà à l'œuvre dans le monde en toutes circonstances et en toute situation. Et donc d'y découvrir les moyens pour le groupe de continuer à grandir et à donner le meilleur de lui-même dans son activité, dans sa mission. Enfin, voilà. Donc la spiritualité ignatienne est un vrai trésor qui nous aide à vivre toujours davantage notre désir de Dieu et à l'incarner concrètement, que ce soit personnellement, en groupe, en communauté, en équipe. C'est donc un trésor à partager largement autour de nous.